Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bien content de nous brancher. Je vous dis à son frère, ça fait gros plaisir que nous, là, avec la voix d'Amérique, comme on l'a coutumé, nous répondons à l'appel là. Et bien, bon, nous, même tout, nous, la présent à votre tour. Et bien, grand programme de mini-actualité à Niger, nous connaissons que des coups d'État continuent à faire un don pour refuser, à cause de refuser de passer pouvoir, retourner pouvoir à Baye. Et président élu a donc monsieur toujours prisonnier, il dit mais eh bien et monsieur mettez sous pied dernièrement était nommé un nouveau premier ministre et qu'on a formé un nouveau gouvernement gain CDAO à tout qui c'est Conseil économique État Afrique de l'Ouest et eh bien yo même yo grand goigne que yo fait sous situation en Niger qui façon pour essayer de restaurer démocratie. Les États-Unis ont suivi dossier ça de près et secrétaire d'État américain Anthony Blinken a téléphoné président de Choukea pour te balcon assurance que les États-Unis avaient et qui a fait toutes démarches nécessaires pour essayer de retourner la place. Mais en attendant, militaire qui a le pouvoir et aucun support au moins trois pays qui est africain qui gagne déjà au même tout régime militaire là-dedans et qui dit et si au moyen et Niger et ben ça a pas passé bien comme ça et n'a dit que Niger fermé espace aérien ni et espace aérien et il dit tout pays ou qui était essayé ou bien toute force qui t'a essayé rentrer sur espace dans espace aérien là et ben ça prend c'est pas où. Ça c'est pour Niger. Gain tout ici aux États-Unis et FBI tout et Younèg et Gélène Utah qui était semblé menacer président et Joe Biden. Ancien président Donald Trump gain semblé les manifester intention pour pas participer dans premier débat et candidat parti républicain au fait en raison d'un document pour signer tout pour signer pour prendre engagement côté pour prendre engagement et au papier pour supporter quel que soit candidat qui a remporté nomination parti a donc ancien président dit lui-même et il pas gain plan signer document ça et que gain au moins 3 ou 4 candidats qui a cherché nomination parti a qui lui-même il pas dans ce cola avec eux. Mais il parle de citer non, il parle de citer non, de citer non. Donc lui-même il dit que il est possible que le pas participer dans premier débat, mais ça va pas déranger parce que et il remplit conditions pour lui participer dans le débat tout comme tout. Ancien vice-président Mike Pence tout est annoncé que lui-même tout, il est qualifié et pour le qualifier, vous devez un bon barème, bon quantité et sondage pour remplir pour conditions pour gué. Pour qu'on puisse participer dans ce travail. Plus ou moins, il y a 8 candidats qui sont censés qualifier pour participer dans le premier débat parti républicain qui a fait dans le fin mois août. Là. Et nous rappelons que, toujours dans le fin mois août, là, le 28, ancien président Donald Trump qui pour retourner à Washington pour aller devant le juge qui a fait un dossier sur l'attaque qui a fait dans le Capitole, la Bilina Gade et Domnala. Donc, pour la répondre, il était déjà dit que le parcours pas pour accusation qui tombait sous de l'eau comme quoi l'État fait manquer mélange ou bien l'État fait complot pour lui et déjouer ou bien changer les résultats de l'élection en faveur lui. Il était bien non coupable, donc il était pour lui retourner dans le tribunal fédéral encore. Côté le bras, le temps d'autres bails. Il y a un paquet de débats qui sont faits sous ça. Et avocat enquêteur a dit que après une présidente mettons un tweet sur social truth que c'est propre réseau social parli l'élite a déclaré que la poursuivre tout le monde qui a poursuivi je dis la poursuivre tout et ben il était considéré ça comme une menace mais avocat qui a enquêté sur dossier a été demandé juge qui a analysé le dossier mais qui est censé responsable de ces armes et puis de mettre une sorte de limite dans la quantité de documents qu'il y a à prendre public, en façon pour ancien président pas à faire menace. Mais avocat qui défend le président, tout le même tout, il était défendre la position président dans la salle de dire, c'est pas ça que vous voulez dire, etc. Et non plus souci pas avec autorité de la justice que il était fait allusion, l'elle était postée déclaration, ça, tout en majuscule d'abord.
Donc c'est là nous y dans dossier ça et puis Ukraine toujours dans bouche l'ouvrier avec la Russie qui déjà annoncé l'idée de détruire un site de bas, mais Ukraine continue à lancer un site d'attaque tout pour laisser le travail reprendre contrôle et territoire qui est en bas contrôle et la Russie. Ah, ça me dérange pour me dire encore sur le plan international et puis du fait 36 monde mourir dans Hawaï, non, du fait qu'il prend un rabois, dans Hawaï, il y a plusieurs cas qui brûlent, il y a près de 36 personnes qui mourent, et à peu près un peu plus même monde qui mourent, dans du fait ça, je dirais, les gens qui étaient bons en mer, mais les gens qui ont été courus, et protégés contre les incendies, ils ont été obligés de jeter les corps dans la mer, pour éviter que pas de périr, du fait pas de brûler. Donc, garde-côte dans un an, on sait qu'ils ont même été sauvés plusieurs personnes dans l'opération, mais son bail, qui vraiment l'a regardé dans la télévision pour la quantité de cailles qui boule, quand c'est qu'on a cherché exactement cause et incendie mortel, ça à côté, au moins les derniers détails, qui baillent, il y a environ 36 personnes qui déjà perdu la vie dans le difficile là. Et puis. Ok. Et dans l'autre nouvelle, dans le pays d'Haïti, nous connaissons que dame et madame Alice, qui est responsable d'une fondation qui est l'ELOA, et bien, que kidnappé, que monsieur Nagam était kidnappé ensemble avec une petite lit, et bien, j'ai une libération depuis hier, donc c'est la joie. Parmi d'abord les gens qui ont bénéficié du service que la bio et puis tout famille tout qui dans New Hampshire côté que des sorties mais et ils m'ont depuis respecté passé après tout bah ça fait mauvais moment ça fait passer moi depuis bah on t'y vit privé pour capable digérer ça qui passait mais par une nouvelle pas dit si t'es garçon qui t'es bah en échange avec libération mais il y a d'autres qui toujours en otage toujours par exemple ancien président conseil électoral provisoire Pierre Leroupon ensemble avec mon docteur tout et qui eux même toujours nommé Neg Ameo qui s'est kidnappé Monsaro. Et dans l'autre nouvelle, le gouvernement a annoncé que l'idée bloquée ou bien de mettre un fonds disponible de 400 millions de gouttes pour subventionner chauffeurs transport public. Et donc près de 25 000 à bénéficier, mais il y a les comités qui étaient censés travailler avec le gouvernement sur le dossier, ils ont parlé de l'autre l'argent que le gouvernement a annoncé et dans l'année fiscale. Dernière année fiscale là, mais au moment des gouvernements pour le dire, ça le fait l'argent. Mais je vais dire que le gouvernement pas déformé, c'est dans la radio qu'ils apprennent. Dans la radio, ils apprennent une nouvelle que le ministre commerce a fait annoncer pour l'annoncer. Et près de 400 millions de gouttes débloquées et disponibles pour subventionner à faire gaz qu'il n'y a pas de façon pour carrer du gaz. Alors que le syndicat eux-mêmes, ça a été demandé au gouvernement pour le faire, c'était baisser prix gaz là, puis eux-mêmes, ils ont baissé prix transport. Comme son petit transport sale, donc il n'y a pas de d'autres conséquences. L'autre ramification qui était certainement pour aider résoudre et diminuer le prix de transport et puis l'autre produit pour la nécessité. Puis de ce qu'il y a toujours une actualité, les États-Unis en tête de file là, comme pays qui a fait effort pour être dans mesure capable et aider ou accélérer ou bien mettre sous pied. Encourager Kenya pour un Kenya et prendre tête force multinationale ça. En tout cas, les États-Unis avec Équateur annoncé eux-mêmes, yo gen pou mete devant Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution qui pour autoriser Kenya pour prendre tête li et gen pays qui déjà annoncé que y a pote coller tout nan et force multinationale ça qui parler en Haïti pour aller aider police nationale là combattre insécurité en parlant de Équateur n'a dit que yon candidat et qui a mené campagne pour l'élection présidentielle hier, ben monsieur, il a assassiné monsieur pendant qu'il a mené campagne dans tout le capital là, Quito, c'est Équateur, c'est ça, tout le capital là. Donc, le président pays a dit que, ben, il va faire tout ça capable pour jouer un monde qui est responsable et puis traîner devant la justice. Et ça, c'est un cas que, et puis, dossier qui est aussi important pour nous, et peut pas examiner les résultats baccalauréat. Le gouvernement a annoncé, en fait, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que pour lui-même, il conseille que Tagaragon succès dans la première partie examen 9e année fondamentale. Donc, ce sont bonnes nouvelles liées pour le ministère là.
et d'après résultat que au bail et résultat qui disponible. Ça qui gagne encore dans l'autre point cap dominé actualité en pays d'Haïti, n'a plus que consulat américain, en fait, ambassade américaine en Haïti, il est fermé partiellement service que la baille, excepté dans le cas d'urgence avec les citoyens haïtiens et les citoyens américains qui n'ont pas payé, qui a besoin de service, c'est capable, mais il est très limité dans ce qu'il a fait. Et puis, monsieur Gang a évité le mieux, toujours absimé la terre dans le quartier, dans la zone de l'ambassade là, même dans la zone de tabac. Et bien, monsieur, monde qui est dans la zone, en fait, qu'on est, les armes chaque soir, chaque jour même, étant les armes à tirer. Et c'était pour raison de sécurité que l'ambassade là, t'es annoncé, t'es fait annonce que la font camper temporairement sous service que là-bas, mais son bail limité. Il n'est pas que le fermé, non, mais il a fait un service limité. Et dans ça qu'il a fait actuellement à cause de la situation de sécurité, il n'a pas fini trop clair jusqu'à présent, mais c'est jusqu'à la nouvelle, en attendant le problème, ça, il résout. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas fait aucune trop de déclaration sur ce dossier-là, mais la République dominicaine a même annoncé que lui a augmenté et patrouille bien sécurité sur frontière Haïti partagée avec la République dominicaine en façon pour éviter et négamer par coup vienne cacher la République dominicaine parce que depuis qu'on rentre sur le territoire dominicain il y a mettons en bas code. Voilà. Actualité sportive, eh bien nous connaissons que nous disons que Haïti, équipe U15 Haïti, équipe masculine U15 Haïti a qualifié pour quart de finale et compétition et Caribbean Challenge, alors qu'on a là parce que les États-Unis là dans le tout. Et malgré Haïti, j'ai subi un petit peu raclé dans les États-Unis 3-0, mais quand même, monsieur, le fait que j'ai remporté deux points de victoire, ça fait que j'ai qualifié, mais on a su de ça pour vous. Dans la Coupe du monde football féminin, il y a une question qui a posé sur la prime de match que FIFA a promettre joueuse. Tout joueur participant qui participe au moins survivre dans le quart de finale, survivre dans la première phase de groupe là, au moins chaque monde, chaque joueuse, t'as de gagner $30,000. Et bon, si vous avez une question à poser, est-ce que vraiment comme ça, la privée jeune et joueuse vraiment, il y a une grosse question à poser, etc. Donc, mais en principe, FIFA lui-même, il était allé public avec lui, avec une nouvelle ça, et qui était bail pour ton sort de jouissance. La carrière participant. En attendant, nous n'en ligne, nous pas en ligne droite là, mais nous n'en quart de finale. Et, Coupe du football féminin qui a commencé à soir. Avec une belle rencontre, à partir de 9h, le Washington, le Port-au-Prince. Et bien, une belle rencontre, c'est va équiper la Hollande, qui a rencontré avec équipe Espagne. Alors. Nous remarquons que la Hollande a vu à 9h du soir. Eh bien, le calendrier a été fait là, il a été calculé. C'est donc calculé. La Hollande était dans le même groupe avec les États-Unis. Eh bien, il a été fait un match aux États-Unis parce que le match était joué à 9h en phase de groupe. Yo. Eh bien, ça a été remarqué, il a été dit que eh bien, les États-Unis, il a été senti que les États-Unis sont capables comme champion en titre et il était arrivé même en finale. Donc, et, en fait, compagnie qui était signé un contrat et droit de retransmission télévision avec FIFA, eh bien, il était demandé pour que le match des États-Unis joue dans la soirée, en façon pour permettre que les Américains soient capables de garder le match. Donc, ça a augmenté quand c'est le monde qui a gardé le match. Donc, j'étais arrangé à ce que le match déroulait à 9h. Eh bien, bon, bah, la mal passé, 4 la mal battre. Quatre la mal bat, donc c'est la Hollande qui définit un premier dans le groupe là. Donc c'est la Hollande qui a joué, calendrier ça, parce que, au lieu pour jouer bonnet, le soleil, etc., et bien, on va jouer le soleil à fin de coucher, bon température, et bien, mesdames, et c'est la Hollande qui a suivi. Donc, la Hollande là, l'a rencontré avec, Espagne. Et puis, nous avons deux envoyés spéciaux, nous qui sont toujours en Australie. C'est Gentil Junior avec Valérie Saint-Louis, mais deux messieurs sur place. Il y a ben nous ça a passé en dehors de football là l'autre activité qui gagne dans Sydney par exemple il y avait apporté ça pour nous et puis très certainement monsieur a suivi match et il peut apporter ben nous tout match Colombie et avec Angleterre tout et donc ça dépend tout bas ça donc monsieur il est là jusqu'à samedi. Parce que c'est samedi, match à jouer, donc monsieur a passé match à tout, et il a porté ben nous exactement ça qui dit, contentement, tristesse, fanatique, après match Angleterre et Colombie, mais monsieur déjà sur place déjà, il est sorti Melbourne, et bien il est allé dans la ville de Sydney, côté que rencontre ça, l'a déroulé samedi. Est-ce que c'est tout samedi pour vous? Oui, il faut être toujours en cale avec nous, Jacqueline là,
et Rodriguez là, boss là, c'est boss là ou bien pas là la vini, on pas connaît. Mais en tout cas, il y a un grand programme de mini-actualité, peut-être après-midi, on a apporté ça pour vous. Et puis, il y a un dossier et kidnapping, il y a l'autre dossier qui est là. Et puis, il y a une nouvelle organisation politique qui fait former et qui semblait, après, faire une sorte de pétition. Et pendant le mois d'août, là, et pour demander démission, alors font pétition pour mon passer 26 ans, pour demander démission pour le premier ministre Ariel Henry. Et puis, en compte, et un secteur qui compte, un secteur qui pour un gouvernement bicéphale et tant que j'accommande à prévoir lui, et bien il y a une discussion avec un autre secteur qui proche gouvernement qui est même et d'accord avec un gouvernement monocéphale qui peut dire que le pays a, monsieur ça toujours en discussion et justement concernant force Kenya pour venir en Haïti et toute démarche a fait tout, mais les États-Unis en particulier ont demandé pour que acteurs concernés dans la crise du pays d'Haïti, pour que eux-mêmes aient été, entre temps, et chiter ensemble, chercher une solution à la crise politique du pays d'Haïti, en attendant que force politique, force militaire et ou bien police Kenya arrivent dans le pays avec l'autre pays qui est d'accord pour te coller. Tant qu'on gagne, dans le comme non, gagne déjà Bahamas avec Jamaïque qui eux-mêmes d'accord, ils ont participé et ils ont une présence dans la force multinationale. C'est ça, nous avons pour là. Et comme dans le grand programme de miniature, nous remercions comme d'habitude et nous croisons encore et nous continuons à parler encore sur le grand programme de miniature. Moi, c'est Jean-Baptiste qui a salué nous depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC et qui a passé un débat avec nous encore pour demain. Demain, encore, nous n'avons pas encore, demain, vendredi. Donc, on a tout parlé. On a capable de parler quand même. Et bye bye tout le monde. Les amis internes qui connectent Messac Nouvelle avec votre Calbas Info dans le moment, c'est toujours un plaisir. Pour entrer la caille avec tranche information ça qui fait essentiel la caille en Haïti. Dans le cadre d'opération de la police nationale d'Haïti menée, il fait connaître que il a crasé en pile base, en pile côté qui était conservé comme cachette équipe base 400 Maozo qui a opéré dans un croix des bouquets. Département d'État américain a exprimé contentement après libération infirmière américaine ça Alix Dorsinville à toute petite li jeudi mercredi 9 d'août 2023. Militants politiques arabes continuent de distribuer plusieurs manchettes par divers citoyens de Delma 40A pour faire connaître pour nous camper derrière barricade et continuer avec la bataille qui a commencé, qui c'est justice populaire, qui c'est exactement le mouvement Bois-Caléan qui a commencé par résultat en dehors du pays. Dossier justice, gain militant politique Rosemont Jean qui t'a réagi sous invitation juge instruction. Martel Jean-Claude t'a fait avec ancien première dame, non? Martine Moïse, je quitte mardi 8 août 2023. N'a quatre enquêtes juge l'a amené sur dossier assassinat Montferré de Vallon. Mais côté que Martine Moïse a pas à répondre à question juge Martel Jean-Claude, c'est avocat maître Emmanuel Gerti qui t'a représenté dans le carré juge l'an. Selon Rosemont Jean, bien Martine Moïse lui-même, ben li pa prendre dans complot dans combinaison Jean que Marie et Jovenel Moïse lui-même t'est mouri. Rosemont Jean dit qu'il est au campé Doubout avec ancienne première dame nan, qui c'est Martine Moïse, li pa quitter sa qui t'est arrivé ancien président Jovenel Moïse dans rivé ancienne première dame nan, selon ça Rosemont Jean dit lui-même dans micro la presse. Opinion partagée dans mit divers citoyens dans pays d'Haïti sous éventuel déploiement d'une force internationale pour venir aider l'État haïtien ak pep haïtien bataille contre question insécurité dans pays d'Haïti selon ça qui dit bon côté divers citoyens. N'a dit bien gain chef gouvernement Dr Ariel Henry qui a rapproché avec série discussions, série dialogue lié avec différents secteurs, différents acteurs dans la vie nationale pour garder comment qu'on capable jeune au consensus largement large pour permettre que la paix capable d'établir dans pays d'après ça qui dit bon côté la primatie. N'a dit bientôt qu'il y a pile organisation de base qui ont même annoncé là il y a pour piler béton dans date qui prend 14 d'août là pour continuer à exiger démission Ariel Henry dans tête à pays selon ça eux-mêmes il fait qu'on est responsable dans mouvement 29 novembre 29 mars qui fait qu'on est il y a cassé piquet dans date cap 14 d'août là sous béton.
Jean Avocat a annoncé ça. Jeune artiste Bouik de la Talaye, ensemble avec percutant et pilote Collegio encore, tout ensemble, je viens de libération. Je viens de mercredi 9 août 2023, après que l'autorité judiciaire ait fini d'entendre. Et n'a rappelé, c'était dans la date qui était mardi 25 juillet 2023. Je t'ai arrêté jeune artiste parce que je t'ai appris à shooter, filmer une vidéo, musique qui fait un cafoufeuille. Selon force de Dieu, fait connaître que jeune artiste c'est plutôt dans le village de Dieu. Yo t'a pris à chuter vidéo ça, yo information que avocat même yo démenti et yo qualifié illégal arbitraire arrestation jeune artiste ça yo. Gagné collège national démocrate yo, yo parti politique tout neuf qui lancé tête li mardi qui était 8 d'août 2023 côté qui relancé ça relé yo consultation populaire mais pour évaluer gestion équipe Ariel Henry mais sous pouvoir. Consultation hein, lui-même a organisé 5 novembre cap vini là d'après secrétaire général Patissa qui c'est blonage innocent qui décrit une situation tête chargée pays a plongé depuis 24 mois que Ariel Henry lui prend tête à pays. Voilà messieurs dames point ça avec divers lots pral fait essentiel notre nouvelle ça sous mes sacs nouvelles avec votre Calbas info restez branché n'a retourné dans quelques secondes. Une autre fois, bonjour. L'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous content pour qu'une carte rentre la canon avec Trush Nouvelle Sage. Nous t'ai annoncé déjà dans le titre journal. Là. Côté que la police nationale d'Haïti, les mêmes qui fait qu'on est là sur compte Facebook yo, à travers une petite vidéo qui a circulé, il fait qu'on est que yo mené gros opération dans base M. 400 Marozo. Yo. La police avec appareil engin louyo, côté que il y a vraiment écrasé là. Balayé ensemble espace côté que équipe Bandi 400 Marozo yo même te kon servi utilisé les que yo fin commettre action sou moun yo rentré avec moun sa yo fin commettre action yo jeté koyo. La police fait konnen que mais pour journée après-midi mercredi 9 d'août 2023 ben yo sous deux pieds militaires yo ben on dit entité opération engin lourd dans la police non avec différents unités spécialisées yo même yo a rapoussible et a continuer avec série opération qui a mené dans zone ça parce que il clair que faut que décitirer faut que démanteler groupe Bandi 400 Marozo qui a bail problème depuis plusieurs années là dans Croix des Bouquets dans Tomazo dans Gatier dans différentes localités dans Croix des Bouquets parler de causer équipe groupe gang 400 Marozo qui a opéré dans exactement dans Croix des Bouquets n'a rappelé avec amis internes New York mais la police a fait qu'on inquiété mené opération lundi qui était 7 août 2023 côté que yo t'ai posé la patte sous deux présumés bandits qui ont même fait partie groupe gang 400 Marozo mais selon ça qui dit dans note pour la presse que la police a metté dehors ben deux individus ça yo c'est un certain de Jean Pradel Anaxé
ak Baptiste Jean Onel. Selon autorité policière yo, Jean Pradel Anaxé, monsieur qui 74 l'année sous tête li, lycée yon retraité nan pays États-Unis qui rentré en Haïti et qui vinn ap gen un ensemble de business, li a fait un ensemble business tan kou kesyon kawash ou ensemble de l'autre entreprise que le gagné nan question que autorité policière te posé avec citoyen ça, li pat en mezi pour le dire avec force l'audio, mais qui côté l'agence a sorti. Et selon l'autorité policière, il fait qu'on est que Jean Pradel Anaxé, qui est exactement 74 l'année sous tête, li, monsieur tagué de très bon rapport, li tagué de très bon cocodaille avec l'amour sans jeu qui a dirigé base 400 Maouzo, d'après ça qui dit bon côté. Force l'audio. Et n'a tout fait rappel ça tout pour nous dire que je quitte mardi 8 août 2023, autorité policière yo te mené opération côté que trois présumés bandits qui fait partie groupe gang Canaran que Dief a dirigé, mais trois présumés bandits sont tombés dans boucanté coup de balle avec force l'audio dans niveau au Canaran. La police qui déterminé selon ça qui dit bon côté force l'audio pour garder comment que capable démanteler, décitirer équipe gang armée ça yo. Et dans même mardi 8 août 2023, la police fait qu'on est que yo te mette pied à terre, yo t'a mené diverses opérations dans zone tabac, dans tapage, dans cuitier, dans Dumonay, tout près ambassade américaine dans tabac pour garder comment que capable démanteler équipe base crasé barrière que vite l'homme innocent a dirigé dans zone ça et qui empêchait moun ka vive moun ka fonctionner dans tabac yo même pour capable fonctionner j'en voulais et depuis plusieurs années là équipe base crasé barrière yo prend zone ça en otage et moun pas capable fonctionner et comme ça doit. J'en ai dit dans titre journal là gay département d'état américain qui yo même exprimer contentement yo satisfaction yo après nouvelle libération mais citoyenne américain ça infirmière ça qui c'est Alix Dorsinville ensemble avec petit li bandit kidnappé dans date qui était 27 juillet 2023 mais matin mercredi 9 août 2023 ça mais Alix Dorsinville ensemble avec tout petit li joine libération yo et c'était contentement la ca en pile monde qui était qu'on bénéficier ensemble service que Alix Dorsinville ensemble avec Maril ta bail avec moun cap vivant dans localité Fuji côté que yo gen l'école classique yo gen l'école professionnelle yo gen centre de santé yo aidé communauté yon mais en pile monde dans communauté Fuji les apprend nouvelle ça c'était un pile contentement la caillou. Bon, évitez nous suivre. Tendez un reportage avec concernant Massia de Villemé après libération Alix Dorsinville dans Samak Petit Li. Contentement la caillou dans zone Fuji. C'est l'organisation El Roi Haïti qui a annoncé nouvelle libération infirmière américaine Alix Dorsinville avec toute petite fille. Nèg exam te kidnappé depuis 27 juillet passé à. Une nouvelle qui mettait la joie à quel content la caille habitant Fujio côté infirmière a évolué. Elle n'a pas arrêté la vie de pour être grand monde. Pour être grand monde. Elle n'a pas arrêté la vie de grand monde. Après t'es en là, je vais sortir dans jeune. Je vais sortir dans jeune pour comprendre rien. Et ma prête en là. Au nom de Jésus. Je dis à Mr. Libéré, nous disons bon Dieu merci pour ça. Merci Jésus. Son gloire, Seigneur, son gloire, Seigneur. Content, Mr. Libéré. Son moment de vie pour nous. Je suis content l'hôpital gratis, l'argent gratis. Il fait aider son nom. Nous disons merci, bon Dieu, Mr. Libéré. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Bon, parce que s'il va te laguer, parce que l'école là, nous allons prendre qui s'en a fait avec Timounio, parce que nous avons Timounio dans l'école là. Les finis, les bons pour nous tous, les bons problèmes, ils ont aidé nous là-dedans. Les finis, Miss là, c'est Miss nous lié, nous factiller là, ils ont aidé nous ensemble. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Malgré nous beaucoup, nous-mêmes nous disons bon Dieu merci pour ça. Je suis content pile pour libération ça que fait là. Parce que nous avons tellement qu'il nous a pile dans la zone. C'est vrai, mais ça le fait pour nous représenter un moment dans la zone. Citoyens, vous dites au père pour famille, pas quitter le pays après ça qui finit arrivé. Je suis inquiétude, mais c'est que après tout ça qui finit arrivé là, il a quitté le pays parce qu'il a accès. Là, il y a un gros impact sur moi parce que l'école là qui te connaît, parce que je ne peux pas payer l'école là.
qu'est-ce qu'on fait dans l'école là? Mal fait une histoire. Bon, s'il quitte le pays, ça fait nous mal, ça pas fait nous bien. Aïe, c'est de la paix de nous dans la zone là. Bon, ça nous, ça pas fait nous bien. Aïe, si nous malades, nous pas besoin d'aide. Nous pas si petit nous avons un problème, nous pas besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Nous bon, ça pas fait nous bien même. Et si nous l'école là, pour aller à la source notre bagage pas fait encore. Pour que tu aies chercher l'école. Parce que si les gens sont déjà par là, si là, les gens sont là, par là, ils sont là. Donc, nous faisons ça. Oui, ça nous fait. Le département d'État qui s'allie Libération Infirmière exprime appréciation pour partenaires liés dans le pays Haïti et l'agence américaine qui travaille avec Haïti pour assistance sur tes bails pour faciliter la libération américaine. Toutefois, service créole La Voix de l'Amérique n'a pas un mésie pour dire signer l'agent qui bail pour libération Alex d'Orsayville. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Merci un peu avec concernant Massia de Villemé qui lui-même t'a porté dans nos reportages ça côté en pile monde qui a vivre dans la localité Fuji. Yo bat bravo la contentement après que apprendre libération infirmière américaine ça qui c'est Alex d'Orsayville que bandit est kidnappé ensemble avec toute petite li dans date qui était 27 juillet 2023 passé yon. Et qui joue une libération le matin mercredi 9 d'août 2023. N'a pas rappelé que, eh bien, autorité dans le département d'État américain, nan yon communiqué au témété de yo, yo mandé avec tout citoyen, à quelle citoyenne américaine pour yo et vraiment quitter pays d'Haïti, pressé. Et si là, qui à l'étranger, qui t'a gagné l'idée d'entrer en Haïti, pour que yo pas rentrer par boy site en Haïti, puisque Haïti gagne niveau alerte à 4 soli, côté que je dis en là, mais voyage vivre en Haïti en living très compliqué à cause action criminalité cap commet à bon côté ou ensemble de groupes armés ou ensemble de individus armés. Et autorité américaine dans le département d'État américain, il était clairement dit que yo a une situation difficile pour t'apporter un dit support aide by un dit le citoyen américain si qui t'a trouvé yo dans des situations difficiles en dans pays d'Haïti parce que je dis là gang armé yo presque occupé 80% territoire national paysan et surtout dans région métropolitaine à Port-au-Prince. N'a toujours été dans question criminalité, zak insécurité qui a pris un jarret dans la société. Nous pourrions venir avec Arabe Tosa qui lui-même continue à distribuer manchette, plusieurs manchettes par divers citoyens en dedans pays. Pour journée mercredi 9 d'août 2023, Arabe est trouvé dans la zone Delma 40A. Côté tal distribuer manchette by citoyens qui vivent dans zone ça dans l'idée pour continuer avec un mouvement bois caléon qui c'est justice populaire que peuple lui-même lancé la donne pour battre contre bandits armés en dans d'Haïti arabe continue mandé avec citoyens yo pour yo kembe rapoussible avec mouvement bois caléon pendant t'es profité critiquer équipe en plaçant précisément Ariel Henry à communauté internationale là qui la guerre d'Haïti. Dans la situation qu'elle trouvait, je ne jeudi, entendez Ariab pour plus de détails. Parce que nous disons nous-mêmes, nous avons consolidé les peuples haïtiens dans toute bataille à mener pour gérer les zones. Parce que là, nous regardons, c'est Ariel Henry, c'est André Michel, c'est Majori Michel, c'est Nenel Kassi, c'est toute gang, Yuri Latoti, c'est eux qui créent les gangs, c'est Matéli, c'est Rita Pierre, Voler Elko, c'est eux qui créent les gangs. Jodia, bataille à carré, nous avons continué par les manchettes là. Jodia, nous connaissons qui c'est 8, 9, qui c'est 9 août.
2023, manchette la distribuée dans Delma 40A, oui. Et la distribuée dans diverses quartiers populaires. Et nous disons nous-mêmes, tout est temps, nous là, nous avons consolidé les peuples haïtiens avec une grande manchette. Je dis à manchette Sabaté, liberté, égalité, fraternité. Manchette la marque liberté, égalité, fraternité. Manchette la marque liberté, égalité, fraternité. C'est peut-être ça, je dis à nous devons voter soutien avec le peuple Delma 40A pour nous faire une grande manchette pour nous défendre la zone. Pour ne pas quitter gang météo dehors, pour ne pas quitter Tilapli, pour ne pas quitter Iso, pour ne pas quitter Vite l'homme, pour ne pas quitter Ariel Henry, pour ne pas quitter André Michel, pour ne pas quitter tout le gang Aversio, météo dehors. Bataille la belle et bien carrée, jeudi avec la dit, opération Bois Calé à la continuer, Pep Café la poêle prend la rue, pour le bail, réponse avec Ariel Henry qui crée groupe gang dans le pays. C'est André Michel qui crée groupe gang dans le pays. C'est Yuri Latorti qui crée groupe gang dans le pays. Jeudi à garder pour moi débat par la Timonite là qui j'en tourne. Je tourne yon va. Je dis à Delma 40A, pas qu'à tourner va. Je dis à Bataille la Carré, opération. Là, nous t'attendons garder arabe militaire politique ça qui depuis plusieurs mois là, plusieurs semaines, qui lance une opération qui s'est distribuée manchette par divers habitants, divers citoyens dans différentes localités récemment dans Pétionville et matin mercredi là, il était trouvé dans la zone Delma 40A côté tel distribué plusieurs dizaines de manchettes par divers habitants, divers citoyens dans zone ça pour que eux-mêmes y aillent. Yo campé avec mouvement Bois Calé pour empêcher que bandits criminels notoires assassinent touye yo, violer petit yo, violer madame yo, violer ce cousin yo. Et selon arabe li kwè que je dis an, c'est celle justice populaire qui est capable aider peuple en sortie libérer en bas griffe bandit armé pendant qu'il t'a profité critiquer équipe en place nan qui gagne li Ariel Henry comme premier ministre Justice PIA qui c'est Emily Prophète Milsé, tout membre CSPN ensemble avec ou commandement de la police tant qui est pas fait un rien concret pour bataille contre question nek armé en dans un pays d'Haïti. N'a toujours été dans question criminalité, situation insécurité, pas oublier ça que opinion partagée dans mitan divers citoyens dans capitale haïtienne nan, et presque dans tout pays sous éventuel déploiement de forces internationales qui est kage pour venir dans pays dans fin mois d'août. D'abord, kage une mission évaluation kenyan qui t'a dû arriver 19 d'août dans pays pour chita parler avec autorité dans l'état yo et pour garder comment que yo ka fait mise en place force multinationale ça qui est à dû débarquer vin aider peuple haïtien ensemble avec l'état haïtien bataille contre question nek armé et pas boycite. Nous allons éviter nous suivre un reportage en détail sur ça avec concernant Sandra Lemaire. Haïtien exprimé un mélange optimisme avec scepticisme semaine ça par rapport avec plan Nations Unies gagné pour le voyer force pays Kenya aider Haïti contrôler gangyo. L'ONU a mené effort depuis plusieurs mois sans succès pour joindre solution pour crise Haïti à cabine plus grave chaque jour. Pas gagné un pile pays qui volontiers pour contribuer soldats pour Haïti après plusieurs années d'intervention internationale. Tandis que un pile haïtien te bat bravo pour décision Kenya te prend pour le diriger aux forces multinationales et puis aider le mettre fin dans paquet sans cap couler à. Gen l'autre monde qui pas d'accord pour une force internationale vin dans pays à. Yo gen doute tout sous mauvais dossier droit monde force police Kenya. C'est l'état de vendre pays à gang. Yo pas yam des armes gang. Et l'on a regardé, où est gangue, c'est gangue l'État. Parce que ce n'est pas gangue l'État, il y a des côtés l'État pour faire pour nous passer. Nous ne pas faire pour nous passer. Pour la condition, ça nous oblige. C'est la sécurité nous besoin. Nous obligés à accepter. Mais ce n'est pas droit pour David Pilete, mais si c'est de l'appeler de nous, des amis gangue, nous ne pouvons pas aider des amis nous. Nous avons des bras balancés. Là, nous résignons, nous avons accepté pour nous faire une sécurité. Kenya envisageait voyer 1000 policiers en Haïti pour faire face à gangyo. Les États-Unis appuyaient OFSA. L'ONU estimait qu'il y a une grosse portion Port-au-Prince qui en bas contrôle gang criminel.
moun nan capitale la attend yo à ce que ça ka changé avec opération militaire. J'ai force à poser défi pour force police Kenya que organisation Douamoun accusé depuis longtemps de assassinat Tupizi et puis l'ouvrisam sous civil pendant couvre-feu qui était en place pendant la pandémie COVID-19 là. Un groupe local confirmé policiers ont été tirés et touillés plus passé 30 moun dans mois de juillet a puis fort moun sa yo c'était dans quartier défavorisé Kenya que yo été touillé yo pendant yo t'a participé dans manifestation opposition été organisée pour protester contre la vie chère. En Haïti, la police Kenya t'a dirigé mission hein, au lieu de répondre l'ordre du commandant l'ONU passé bayo, Jean Saté kon fait dans mission traditionnelle maintien la paix dans le passé. Premier ministre haïtien Ariel Henry déclaré mardi que il était parlé avec président Kenya William Ruto côté il était remercié pour démonstration solidarité fraternelle là. La vienne retirer nous arrêter nous retirer armes dans pays pour élection faite. Nous sorti côté hier parce que tout n'ta même sorti côté nous hier parce que si moun qui là pas ca aider nous égal nous tout pas ca mourir un seul coup faut que nous venons nous aider nous. Kenya envisageait voyer un groupe en Haïti dans semaine qui vient pour faire constat et puis déterminer qui ça y aura besoin pour exécuter mission. Dans pays Kenya, force police là recevoir plusieurs millions de dollars formation avec support pour côté les États-Unis, Union européenne à l'autre partenaire pendant année qui passait. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Merci avec concernant Sandra Lemaire qui est même vraiment te pote ba nou reportage ça côté Jean Dion. En pile citoyen haïtien dans capitale haïtienne non même j'a à camper l'autre côté en de pays hein yo a partager opinion par rapport avec question ça yon éventuelle possibilité pour ta gen force internationale qui débarque en de pays hein et bien citoyen ça même gen montrer que yo pour ça gen qui montrer que vraiment j'ai besoin une force étrangère qui pour venir aider l'état haïtien pour venir aider yo pour yo pas mourir pour yo suspendre mourir en bas griffe, nek armé, en dehors pays. En même temps, tout, il y a divers militaires de base, organisations de base qui ont même tout là. Il y a 10 ans par eux, il y a des mots par eux sous question force multinationale. Ça, c'est qu'un responsable, une responsable mouvement 29 mars, non, qui c'est Réginald Dumé. Monsieur qui l'a même montré que il pas vraiment partagé opinion pour ta grande force étrangère rentrée en pays. Et dans ça, il a annoncé un gros mouvement qui a commencé à partir du 14 d'août pour bouter jusqu'à 22 d'août pour continuer à exiger démission Ariel Henry dans tête pays et mandé peuple dans tout pour prendre responsabilité dans bataille contre pouvoir en place. Confrère nous Renan Toussaint li a présenté nos reportages pour plus de détails. Nous un jour qu'a venu là yo Conseil sécurité Nations Unies hein, a bien pour statuer sur validation ou pas une force multinationale en Haïti dans cadre GFOP pour aider police haïtienne non éradiquer bandi armé yo qui pas jamais suspendre si mes deuil dans mitan population hein, à appauvrir davantage citoyen ak citoyenne yo en Haïti. Reginald Dumé un petro challenger qui fait partie mouvement 29 mars une structure sociopolitique qui regroupait plusieurs dizaines d'organisations et partis politiques parmi eux, Challenger Populaire et Force Canapé Réveillé, par une démarche, ça, des bonnets. Question, intervention, c'est pas ça, besoin, c'est nous qui nous défendons. Nous. Des salines disent, chaque dénaïs, c'est son soldat. L'un a sorti, fond armée, avec boum, sortier, bois de vacat, bichit d'état nommé nous, 22 août, pour nous faire réponse là avec gang investi. Dans ce sens, Rebe Nonsan, alias Dizaï, qui fait partie même si tu mouvement 29 mars là annoncé un calendrier mobilisation à partir 14 août prochain contre insécurité et kidnapping et pour réclamer démission Ariel Henry dans tête primature là. Les 14 rendez-vous cassé à l'aéroport. Les 20 rendez-vous cassé devant primature. Les 22 sont manifestations 7 têtes liées dans le pays. Nous allons regarder pour nous si les pays ici ont de la vraie. M'a gardé pour moi si peuple haïtien des problèmes. Pendant ce temps, discussion politique directe tant main entre premier ministre Ariel Henry acte dans opposition avec secteur économique là sur un cadre négociation politique dans l'idée pour joindre un consensus politique largement large pour résoudre crise là
dans le moment gouvernement haïtien apparaît pour recevoir 19 août prochain une mission évaluation pays Kenya par rapport à force multinationale Kapalia. Où est dans tout ça? Pour VO à Créole, Port-au-Prince. Voilà, merci avec confrère Renan Toussaint qui les mêmes tape pour te dans le reportage ça qui est pour avec réaction beaucoup de divers militaires de base qui contre pouvoir en place là qui partage opinion yo et qui clairement dit que il a continué mobiliser, il a continué bataille pour y arriver et capoter équipe en place là. On a toujours été avec confrère Renan Toussaint, mais c'est toujours question insécurité, criminalité, mais c'est pas avec série discussion que locataire primatia Ariel Henry lui-même a rapproché avec divers acteurs politiques, économiques et société civile dans l'idée pour capable jouer un consensus largement large dans mi-temps yo pour garder comment au cas jouer une solution avec crise pays a connait là surtout question insécurité misère grand goût chômage mais en plus acteur tout qui eux même réagi dans question discussion que yo wè que Ariel Henry lui-même voulait entamer ou bien a entamé malgré ça yo critiqué pouvoir en place temps yo dit qu'il pas manifesté bonne volonté pour résoudre ensemble de crises que peuple n'a fait face là. En suivant l'autre reportage avec confrère nous, Renan Toussaint pour plus de détails. Premier ministre Ariel Henry, tamen yon série de discussions directes avec acteurs politiques dans l'opposition haïtienne, avec acteurs économiques sur yon éventuel cadre de négociation qui t'a dû aboutir à yon consensus politique pilage par rapport à l'accord 21 décembre 2021 pour résoudre la crise sociopolitique et économique. L'ancien sénateur Patrice Dumont, même signataire accord Montana, quoi, li important pour Haïtiens chita ensemble pour joindre une entente cap dans intérêt toute collectivité yo. Tout patriote, tout vrai nationaliste, tout citoyen haïtien conséquent, nous rendons compte que nous pas capable nous en tout cas pendant tout temps ça nous parler, nous faire négociation, nous faire dialogue, mais nous pas arriver vraiment faire ça nous croit qui pi bon pour pays a pour nous mettre un gouvernement de consensus national vraiment solide pour changer situation. Suite à rencontre politique Jamaïque 11, 12 et 13 juin 2023 passé sous auspice des émissaires pays CARICOM, plusieurs rencontres ont déroulé entre acteurs haïtiens, mais rien pas de jambes sorti. Il y a monde qui dit c'était un échec, il y a l'autre qui dit non. Ancien colonel Imler Rebi, même signataire déclaration Kingston non, dit c'est parce que docteur Ariel Henry pas une volonté qu'il fait yo pas déjà joindre un compromis politique pour sauver pays d'Haïti. Si bagay premier ministre te dit à ta bon ta 24 mois gen la oui. L'elle te fait bagay yo te rele accord 11 septembre et 14 mois accord a duré. L'elle fini le accord te fait pas bon désaccord li font l'autre raccordement. C'est donc un plombier t'as mis des raccords tout partout et puis tu as pété puis la brise mettez même col là pour une même tu as pour faire même raccord pas bah, capable marcher. Donc il est très clair pourquoi ça fait depuis le docteur Ariel Henry pour pouvoir l'idée la pas sur sécurité pour faire l'élection pourquoi ça va faire ni un ni l'autre. Bon côté parle maître André Michel qui s'est représentant à COP 21 décembre 2022 dans rencontre politique yo dit PM Henry d'une bonne volonté. Li croit pas trop longtemps, y a joigne yon entente capillage par rapport à 21 décembre pour yon capable définitivement, d'après ça le dit, passer dans phase changement constitution et pour organiser élection générale dans le pays pour renouveler personnel politique là. Ou en tout ça, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Là, nous avons avec dossier justice qui est pour avec. Dossier invitation, ancienne première dame Martine Moïse, que juge instruction Martel Jean-Claude, capestre dossier assassinat ancien bâtonnier, l'autre avocat Port-au-Prince, Montferrieux d'Orval, qui est même été invité Martine Moïse à quitter mardi 8 août 2023. Côté Martine, pas présenté dans le carré juge, non, mais. Gemelita politique à Rosemont Jean qui t'a réagi sous invitation ça que juge instruction Martel Jean-Claude t'a fait ancienne première dame non
Martin Moïse, dans le cadre d'enquête que le juge l'a mené sur le dossier assassinat ancien bâtonnier, l'autre avocat Port-au-Prince, Montfeuille d'Oval, qui était perdu la ville dans la date qui était 28 août 2021. Rosemont Jean fait qu'on est tout pays hein, au courant qui est ce monde qui touille Montfeuille d'Oval. Militaire politique lundi, il n'a pas quitté, il a touillé Martin Moïse, même j'ai été touillé Maril, Jovenel Moïse. Ma vite attendre Rosemont Jean pour plus de détails. Et mettre mon feuillet d'Oval et madame Martine Moïse qui a pêché y a tenté lier Martine Moïse à assassinat d'Oval et pour moi-même c'est prendre farine et puis dire pour le mélanger avec ntadi et six rouges. Vérité à la, pays a koné, nèg politique yo koné, la justice koné, DCPJ koné, côté la mort, met mon ferrier d'Orval sorti. D'abord, moi-même, moi c'est client, met mon ferrier d'Orval, et qui te gon rapport dépassé client. Mettre mon feuillet d'Oval le 26 août 2021 m'ont porté plainte m'ont dénoncé assassinat et menace mettre mon feuillet d'Oval à Sibi dans barreau de Port-au-Prince il va l'assassiner mettre mon feuillet d'Oval le 28 août ça veut dire pour nous-mêmes nous comprenons qu'il y a une tractation, une diversion qui a fait. Il y a détourné la scène de crime. C'est le bagage que je ne connais pas. Pour qui monde et à qui profite le crime. Donc, et hier, c'était en dématine. Il y a supposé en dématine Moïse. Je parle de temps d'elle. Est-ce que vous pouvez arrêter pour qu'il y ait en dématine Moïse dans quatre dossiers? Ça est capable d'aider l'enquête là à l'éclairer. Bon, moi-même, quel que soit citoyen, personne citoyen pas au-dessus de la loi. Personne. Que vous êtes président, que vous êtes premier ministre, que vous êtes première dame de la République, et surtout pour Martine Moïse, qui est une respectueuse de la loi. Chaque fois que vous avez besoin de Martine, vous convoquez Martine, depuis que vous créez l'opportunité, vous êtes capable de garantir la sécurité de Martine Moïse. Martine Moïse a pu répondre à la question du juge là. Martine Moïse pas gagné le peur, pas gagné pour le peur. Parce que c'est des moun yo qui te baille tête aux mission pour te baille pays à un coup de main. Malheureusement, puissance mafia te plus fort passer yo, yo casser yo vitesse yo au coup de la route. Et celle ça nous connaît moment par rapport à quantité menace que Martine Moïse a subi. Par rapport à la situation encerclement pays à ville là et moment pour nous-mêmes tant qu'avocat Martine Moïse dit c'est des moments qui tellement fragiles lui demander de façon respectueuse pour t'avoir l'opportunité pour attendre dans un temps qui pas trop lointain dans un temps qui pas trop loin mais permettre le climat qu'il a par rapport avec Martine Moïse et que mon frère honorable magistrat Martel Jean-Claude pour prendre ça tout et une dame qui t'a vu à Maril en tant que pas n'importe personne qui t'a gagné plus par son cinquantaine de police à sécuriser lui-même à Maril et puis Maril pour l'assassiner dans conditions pareilles et puis lui-même il prend sibi une tentative d'assassinat avec commencement d'exécution et jusqu'à présent pour que j'aime des lumières qui fait sous attaque ça qui portait à les Maril et qui permettent lui-même les paralyser dans poignette qui pral faire lui-même lui pral chapper de justesse par la grâce de Dieu nous comprendre situation
quel que soit monde, il a comprendre que situation Martine Moïse dans situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Ça veut dire me certain que juge a comprendre situation Martine Moïse, l'a demandé un report pour être capable organiser sécurité. Pas oublier, un ensemble de monde qui t'a sécurisé Martine, monde ça la police, yo rappelé yo. Vous comprenez, Martine Moïse dans une situation extrêmement difficile avec toute menace qu'elle a menée, surtout pour deux marches, pour combat la menée, pour qui lui-même était vraiment pas la presse jeudi mercredi concernant eh bien question invitation juge instruction Martel Jean-Claude Jean Dédian t'est fait avec ancienne première dame non Martine Moïse jeudi mardi 8 août non effectivement ancienne première dame non l'ipat répondre l'invitation ça c'est avocat maître Emmanuel Gentil qui lui-même était représenté ancienne première dame non dans carré juge non selon maître Emmanuel Gentil clairement dit que client Lyon li pa vini à cause que li gagne en pile craintif sur question sécurité parce que la presse voit en pile menace depuis après la mort Marie Jovenel Moïse dans sa salle il trouvait que par gon sécurité tight qui vous ta permettre que client là lui-même li déplacer vinn répondre question juge Martel Jean-Claude dans cadre enquête que juge là a mené sur dossier assassinat ancien bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Pendant que maître Emmanuel Gentil fait connaître que client l'a toujours été mobilisé, disponible pour autorité judiciaire, yo, mais ça que il souhaitait que ben sécurité arrive établie pour que client n'a pas de problème pour venir répondre autorité judiciaire. Yo. Nous allons inviter entendre maître Emmanuel Gentil pour plus de détails. Première dame, madame Martine Moïse, étant donné que c'est un monde qui était victime de ça, n'est capable de le faire.